Un case B, fin du blackout. La Djirama s'active dans la résolution du problème de délestage dans les régions. Le district d'Akasbé est doté de deux nouveaux groupes électrogènes d'une puissance de 200 kW et 90 kW. L'équipe technique de la Djirama est à pied d'œuvre dans l'installation des deux générateurs. Selon les prévisions, le premier groupe de 90 kW sera en marche d'ici dimanche, tandis que l'autre, de grande capacité, nécessite quelques jours de plus, mais cela ne dépasserait pas la semaine prochaine. D'après Richard Koutouarsou, chef secteur de la Djirama locale, cette ville vient de vivre plus de deux jours de blackout, de mardi à jeudi dernier, suite aux pannes de deux groupes électrogènes disponibles. Après la réparation des générateurs en panne par les techniciens de la Djirama, l'électricité y est rétablie partiellement. D'après le maire de la commune urbaine d'Akasbé, Percy Razaf Mandim, le retour à la normale de l'approvisionnement en électricité dans sa ville est un salut. Non seulement pour la population, mais surtout pour les très petites entreprises. Quant au chef district d'Akasbé, Tantel Nirinalala Jérémy Radzuel Narive, il a remercié toutes les parties prenantes, notamment l'État, dans la résolution du problème de la Djirama à Akasbé.